Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotai, partenaire officiel de la Télé de Lyon. Il y a 2 ans, Stéphanie Le Cogic a installé la boutique de Lali dans la rue Gabriel Cortel à Joigny. Le 2 avril, en collaboration avec Loïc Vautier, elle a ouvert sa 2e boutique, appelée Chez Marcel. Il s'agit d'une boutique consacrée aux hommes, où l'on peut trouver des vêtements, mais pas seulement. On a appelé ça un concept store, parce qu'on trouve que c'est une décoration un petit peu atypique, parce que vous n'y trouverez pas que des vêtements et des accessoires, mais plein d'autres choses, toujours des objets masculins, il y a des produits de beauté, il y a des couteaux, des chaussettes, des bracelets. Vous venez chez Marcel, mais pas que pour les vêtements, car le magasin raconte une histoire. On a pensé à tout, de toutes les couleurs, aux classiques, aux tailles, aux objets, à ce que vous ne trouvez pas forcément en allant faire une boutique de vêtements. Il n'y a pas de boutique indépendante à Joigny pour les hommes, donc je me suis lancée dans l'aventure. Je voulais par contre quelqu'un qui connaisse bien Joigny, qui soit de Joigny et en tout cas qui consomme à Joigny. Donc Loïc, c'était une évidence. Loïc est né à Joigny et connaît bien la ville et ses habitants. Après plusieurs années dans la restauration, il a accepté la proposition de Stéphanie. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « j'ai quelque chose à te proposer, viens me voir ». Donc j'y suis allé quelques jours après ce message. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était vide quand je suis arrivé, donc petit à petit. Et c'est vraiment là qu'on a collaboré pour placer, parce que les plans au départ n'étaient pas comme ça. Donc finalement, une fois que l'univers était là, on a aménagé comme on souhaitait. Avant, il y avait un tag qui a été créé par Crazy Spray et c'était noté chez Marcel. Et je me suis dit, on s'identifie à ça. En fait, c'est une photo que Chris et Kiki de l'atelier K247 ont trouvée dans un vide-grenier. Enfin, elles avaient plein de photos à me proposer et puis, ce Marcel-là, je le trouvais beau. Un concept store, c'est ce qui manquait à Joigny. Est-ce que les gens en ressortent ?